Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue David. Bienvenue Philippe. Ah ouais. Bah écoute, tu sais, aujourd'hui on va faire du black and white, comme on dit. Bah écoute, c'est pas on mal. On va se prendre pour Omar et Fred de la télévision française du tennis. Ça me va pas mal, mais fais gaffe parce qu'en même temps, il y a deux mecs qui jouent au tennis. Hein, donc. Deux mecs, c'est qui d'ailleurs? Écoute, s'il y en a un, je sais pas, avec les logs, on dirait un peu. Ah bah, je suis sûr qu'il y en a un des deux qui est dans le quota là. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça me surprendrait pas. Mais est-ce que t'es sûr qu'il est français dans le... Ah, si, lui, il est français. Là. Ah bon? Ouais. Il a pas une tête de français quand même. Ouais, je suis sûr qu'on pourrait lui demander sa carte d'identité, mais. En tous les cas, pour entrer sur le court central de Roland-Garros, il n'en a pas eu besoin. Et ça se comprend parce que je pense qu'il est rentré grâce à la magouille de la dame là, qu'on vient de voir. La blonde, là? Ouais, la blonde, ouais. Là, je crois. Mais il est pas mal, mais on a l'impression qu'il va gagner un truc, mais qu'il n'est pas sûr. Tu vois, c'est... Bon, en tout cas, il sert pas mal. Et regarde, là. Et là, ça oh, y est. Oh, le mec a... Non, mais attends, le mec, il est français, il gagne Roland-Garros. Et ça fait combien de temps que c'est pas arrivé, ça? Je sais pas, moi. Mais attends, moi, je regarde le tennis tous les jours. J'ai jamais vu un Français gagner Roland-Garros. Bah écoute, c'est extraordinaire quand même. Et bah tu vois, je suis sûr que t'étais pas né quand il a gagné ce tournoi. Mais c'est qui ce mec? En fait, c'est celui de le tournoi de l'année dernière, celui-là. Ah d'accord, c'est vintage en fait. C'est ça. D'accord, ok. Mais il a l'air sympa. Et alors là, regarde, t'as tous les mecs qui se régalent, ils lui sautent dessus parce qu'ils savent que. Ils le connaissent pas. Non, mais ils savent qu'à la fin du tournoi de Roland Garros, ils vont pouvoir se taper une bonne bouffe avec le champagne et tout ça qui va avec. Donc ça, c'est vraiment génial quoi. Allez, bravo à Yannick Noah. Bravo, bravo David.